Bonjour à tous, c'est Galax, c'est bien aujourd'hui sur Shadow of War. Très heureux de vous retrouver pour la suite d'aventure du Let's Play aujourd'hui. Nous sommes partis pour reprendre les quêtes de Karnan. Rappelez-vous, hier on avait terminé les quêtes avec Bruce, qu'on avait du coup brisé complètement, et ça c'est méchant. On est parti du coup pour les quêtes de Karnan avec une première mission, les archers de Morgoth. Il me semble que nous sommes à 44% exactement des quêtes de Karnan. Donc, alors, Zog cherche à ressusciter les archers de Morgoth, des guerriers orques d'autrefois, afin de les recruter. Faites équipe avec Karnan pour mettre fin au rituel et envoyer les archers dans leur tombe, récompense 1905 XP, et rappelez-vous effectivement de Zog, il était assez costaud. On y va. Attention, ils renaissent. Les archers de Morgoth se déchaînent. Les esclaves de Zog s'agitent. Vite, envolons-nous à tout. Envole-moi, envole-moi. Allez, chevauchement spectral. Ces archers de Morgoth. Morgoth était le premier seigneur des ténèbres, et ses archers sont l'une de ses créations. Ils faisaient partie des meilleurs de leurs vivants. Ils ne doivent pas quitter ces grottes. Alors ça, tu vois, c'est juste excellent, les amis. Sur le dos de Karnan. Alors, purifier les totems du nécromancien, triompher des archers de Morgoth. D'accord. Et purifier également les totems. Ah oui, mais ça, ce sera du coup à pied, je pense. À patte. Ah ouais, pour gagner en puissance. D'accord, donc on gagne en puissance quand on crache du truc. Triompher des archers. Donc on les tue comme ça, du coup. Effectivement. Et purifier les totems, je pense que c'est au sol. Hein. Ouais, ça, je pense que c'est au sol. Effectivement, il faut de toute façon accomplir les deux objectifs. J'ai glacé. Ah oui, c'est vrai. Hop là, j'ai glacé. Oui. Bon, j'ai l'impression que c'est plus rapide avec le gel comme ceci au pire, hein, j'ai l'impression. Donc là on va geler un petit peu tout le monde. C'est pas évident à gérer. 10 sur 40 déjà de tuer. Un PK pourquoi pas. Lui je l'ai gelé. Super, les totems. Alors attends, qu'est-ce que t'appelles purifier les totems? Il me semble qu'il faut en prendre possession. Donc pour l'instant, c'est pas le détruire, hein, c'est en prendre possession du coup. Hein. Vraiment, triompher des archers. Mais attendez, il faut que je descende de là, non? Alors je peux effectivement les geler comme ça, mais. Est-ce que vraiment il y a une utilité sur le long terme? Parce que autant que je les tue directement. Attends, vas-y, est-ce que je peux descendre? Ouais, je peux descendre, nickel. Je vais faire plutôt ça. Ok? Je préfère faire ça. Bonjour! Salut! Meurs! Voilà! Je vais tuer les archers et après je remonterai sur monsieur. je me rappelle plus. Sur Karnan, voilà, exactement. Totem des nécromanciens. Donc on va les purifier. Après on tuera tous les archers. Alors attendez, ce qu'on va faire? Je vais directement m'occuper des totems, comme ça au moins ce sera fait. J'arrive. Bonjour monsieur, vous m'avez vu monsieur? Non? Eh ben tant mieux. Allez, on enchaîne. Le totem est juste là, ok. Salut! Ça roule ma poule, bim, et un autre. Ah, je peux pas atteindre l'autre, merde, dommage. Ah si, je peux avoir un autre quand même. Voilà, est-ce qu'il m'a vu? Ouais, de toute façon, il m'a vu, hop, l'arc maintenant. Merde, j'ai tiré au-dessus, quel con. N'importe quoi. Tu restes là, il s'enfuit. Je l'ai pas tué apparemment. Ok, lui non plus? What the fuck? D'accord, là maintenant, le totem. Attention, je m'en occupe. Allez, premier totem à purifier. Voilà, impeccable bien. Ça c'est fait, un totem sur trois. On va triompher des archers, évidemment, vous en faites pas. J'ai confiance. Je n'ai pas peur. Bonjour, messieurs, comment ça va? Je m'occupe de l'attention, esquive. Joli. Attends, vas-y. Hop là. Frappe de l'ombre. Joli. Ça enchaîne. Tranquille. Hop là. Au moins, en plus, je peux me téléporter de plateforme en plateforme. Grâce à la frappe de l'ombre, c'est génial. Alors, je pense que j'aurais pu remarquer tuer un peu plus, effectivement, un peu plus rapidement avec Karnan. C'est peut-être une connerie, effectivement, de vouloir les tuer avec, avec Talion. Mais enfin bon, c'est pas grave. C'est vrai que j'aurais pu profiter un petit peu, effectivement, de Karnan. Moi, je trouve que c'est bien à pied aussi, remarque. Et ça roule. Merde, je tire à côté. Je suis pas doué, hein, aujourd'hui. Hein. Je suis pas doué au niveau de mon shoot. J'ai un shoot de licorne, comme dirait Nifex. Alors. Ok, j'ai du monde là-bas. Il m'a pas vu. J'en profite. Il y a un totem là-bas. Attention. J'ai plus de flèches. Attends, faut que je récupère des flèches pour aller plus loin. J'ai mon Karnan qui est là, du coup. Ok, donne-moi les flèches. Ah, j'ai du monde là-haut, au pire, je m'occupe du monde là-haut. De toute façon, il en reste encore 20 à tuer. Hein. Il y en a beaucoup quand même, hein. Il y en a beaucoup, effectivement. Est-ce que ça aurait été pas plus rapide avec, avec Karnan? Je pense que le jeu, en fait, pense que je vais descendre avec mon guerrier éventuellement. Comment dire? Attendez, j'arrive. Oh, je lui ai coupé la jambe, c'est beau. Ouais, non, mais ça va très bien comme ça, au pire. C'est pas non plus super long. Meurs. Et mine de rien, on se rapproche de plus en plus de la fin du jeu, hein, pour info. Alors, on n'est pas vraiment à la toute fin non plus, mais ça avance. Bonjour. Ok. Il a sauté, non? Attends, il me semble que le truc, il a sauté, c'était énorme. Je vais aller en face. Direction d'un rebord, très bien. Est-ce que je peux me diriger vers toi? Oui. Putain, on peut carrément aller super loin, ouais. C'est énorme, ça. Ah, je peux pas en prendre un troisième, dommage. J'ai bien voulu amener là-bas. Tant pis, bon, comme ça, on a bien joué. Purifier le totem, salut.
Meurs. Nya. J'adore ces attaques-là. Attends, je vais pas vous tuer spécialement. Moi, je tue plutôt les cibles jaunes. Les autres, je m'en fous complet, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Hop là, lumière elfique, je la garde pour plus tard. Tant qu'à faire, j'en ai pas besoin. Ils sont très simples à battre. Ok, et enfin le totem, il faut s'en débarrasser. Attention, j'ai purifié le totem maintenant. Vas-y, purifie. Est-ce que je vais avoir le temps? Ah non, j'ai pas le temps, ok. Venez ici. Venez ici. Tous. Allez, détonation. Écartez-vous. Et maintenant, je purifie ce totem. Logiquement, j'aurai le temps maintenant. Attends, je les ai écartés avec le feu. Voilà. Totem purifié, impeccable. Allez. La suite maintenant, c'est par là-bas. Il reste logiquement 12 points jaunes, 2 personnes à tuer. Enfin, 12 personnes. Et je vais aller les chercher directement là-bas. De toute façon, et je m'occuperai du totem, bien sûr, par la suite. Ah, je vais également un archer par là. Donc, niveau flèche, c'est bon. On est présent, on est là, on est chaud. Bonjour, messieurs. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça roule? Allez, direct. Bam. Maintenant, il faut que je grimpe là-haut pour tuer les deux. Bonjour. Ah, j'ai pas eu le temps de tuer l'autre là-bas. Ok, c'est un peu dommage ça. C'est pas grave. Allez, violence. La violence absolue. 31 sur 40. Bon, j'avoue, c'est un petit peu long à faire à pied. Enfin bon. C'est toujours cool. Ok. Ah, il y a un totem. Vous savez quoi, on le fera après le totem. Je vais d'abord aller tuer les mecs. D'abord aller tuer les mecs. Apparemment, c'est pas trop compliqué. Il y a le temps. Bon, je crois qu'ils m'ont vu. Tant pis, nous sommes pas très discrets. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Élimination furtive. Et l'autre, j'ai pas pu éliminer furtivement. C'est pas grave. Je monte. Bonjour, monsieur. Hop. Qu'est-ce que ça va vite, c'est énorme. J'arrive. Youhou. Putain, qu'est-ce que c'est énorme. Mais quelle amélioration, juste incroyable. Ah, merde, ils m'ont vu. Salaud. On occupe. J'ai pas pu l'esquiver, salopio. Attends, vas-y. Je te pousse. Yihihi, dégage. Voilà, j'ai juste fait tomber. 38 sur 40, il nous en manque que deux. Bonjour, monsieur. Ah, merde, fais chier. Ah, j'aurais dû aller sur lui, pour l'éliminer plutôt. Ça aurait été plus logique. Bon, bah, du coup, monsieur, j'ai pas le choix. Hop, voilà. Et il nous en restera plus qu'un. Par contre, faut le trouver, hein, le dernier. Hein. Ah, c'est bon, apparemment, il est là-bas. Je pense avoir trouvé. Ah, par contre, faudrait que je récupère des flèches aussi, ça peut être sympathique. Viens par ici, je t'ai vu. Ah, attention, mon collègue, il va pas bien. Ah ouais, faut tuer les archers avant qu'ils tuent mon Karnan, en fait. Dégage. C'est bon. Heureusement, on s'occupe de tout ça et maintenant, on va purifier le totem. Est-ce que j'aurai le temps, par contre? Purifie, purifie, purifie. Est-ce que j'aurai le temps? Oui, je crois que c'est bon. Yes. Purifie-les dans le feu et n'épargne aucun ennemi. Ah, d'accord, mission terminée. Ouais, je pensais que c'était. On sait que ça allait jusqu'au bout en fait, mais non. C'est des missions qui sont coupées en fait entre les objectifs, c'est con. Niveau 38, hein, portalion du coup, impeccable. Eh bien, écoutez, on va enchaîner. Bah ouais, on va pouvoir déverrouiller une nouvelle aptitude. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme nouvelle aptitude? Alors, de toute façon, peu importe hein, dans quel ordre je le mets, je vais prendre Spectre, chasseur de trésor. Récupère automatiquement le butin sur les ennemis vaincus. Oh putain, mais c'est trop bien ça! Bah voilà! Oh, qu'est-ce que c'était relou d'à chaque fois devoir les récupérer, tu sais, tu stressais, tu disais putain, est-ce que j'aurai le temps de les récupérer au bout de 2 minutes? Et puis maintenant, voilà, il n'y a plus de soucis avec ça, c'est impeccable. Ça, franchement, c'est GG. Alors, où sont les flèches là? Normalement, il devrait y avoir les flèches. Voilà, ici, très bien. Mais je suis con, j'ai déjà les flèches, ok. Donc, non, c'est pas armé que je vois. D'ailleurs, j'ai pris un garde du corps. Super, maintenant on va se diriger à la prochaine mission. Par contre, je sais pas du tout où elle est. Est-ce qu'il y aura une mission ici? Je sais pas. Apparemment, non. On va devoir changer de région. Alors, mon cher Talion va chercher une nouvelle quête. Nous sommes, je vous rappelle, dans les quêtes de Karnan. Maintenant, c'est à Gorgoroth. Effectivement. Donc, on y va. Attends, par contre, c'est à Gorgoroth. Je peux pas m'y déplacer directement, c'est une blague? Attends, est-ce que je peux la faire? Déjà, est-ce que je peux la faire? Gorgoroth, sélectionné. Apparemment, par contre, je peux pas me téléporter. Ah d'accord, c'est-à-dire qu'il faudrait que je sorte un petit peu de cette les zone. Peut-être, je sais pas. Dans tout le c'est bizarre. Nous les trouverons tous. Ah mais d'accord, je pense que ça parlait, c'est pour ça. Enfin, je pense que ça parle, c'est pour ça que c'est comme ça. Logiquement, là, je devrais pouvoir effectivement me téléporter. Hein. Directement, c'est pas logique que je puisse pas à la base, à mon avis. Des goûts, voilà, dépassement rapide, fallait juste attendre que ça cause, effectivement. Parce que tu peux pas toujours téléporter dans le jeu, il y a des phases, voilà, soit t'es un petit peu poursuivi, soit il y a quelqu'un qui est en train de parler, donc tu peux pas te téléporter à chaque fois.
Allez, direction Gorgoroth. Et il me semble d'ailleurs qu'à Gorgoroth, il y aura également les missions d'Eltariel. Enfin, l'avant-dernière mission peut-être d'Eltariel. Parce qu'après, il y aura la mission finale, je vous rappelle, pour apparemment battre le Seigneur des Ténèbres. Bon, on verra ce que c'est exactement, mais il y aura effectivement la mission finale juste après. Ok, alors Gorgoroth, enfin, je suppose que c'est la mission finale, parce que bon, vu le sujet, à mon avis... Oh, il y a un Drake. Attention, Nathan. Pas du tout. Alors, il est où? Il est là. On va se téléporter où? On va se téléporter... Bah écoutez, on va se téléporter là. De toute façon, après, ouais, qu'on se téléporte là ou qu'on parte d'ici, honnêtement, et à mon avis, j'avais pas trop de gains. Hein. 1100, ouais, si, c'est un peu plus proche. C'est pas fou, mais c'est un peu mieux. Allez, accélère. Très bien. 950 pays. Voilà, je préfère pas faire de coupure, hein. Encore une fois, je vous le rappelle, moi je suis très bien comme ça. D'accord, il y a un petit bug quand même. Un petit bug. Bonjour monsieur, ça va? Je vous ai rien demandé, monsieur, restez gentil, s'il vous plaît, merci. Allez, on va dans ce sens. Hop, hop là. Saute toujours au plus haut. Et on va aller faire cette prochaine mission du coup. Des ghouls et des grogues. Est-ce qu'on va pouvoir monter un grog? Est-ce que j'ai déjà monté un grog? Oui, bah oui, bien sûr. Évidemment que j'ai déjà monté un grog. Je sais pas si j'ai déjà fait avec vous en mission, mais en tout cas c'est sûr que en open world en secondaire, bien sûr que j'ai déjà monté un grog. Évidemment, j'ai même monté un grog élémentaire avec des pouvoirs poison. Oh tiens, un truc d'arachné, bon ça on le fera en mode live secondaire, comme je dis souvent. Allez. Donc bah c'est parti. Les frères de la corruption réveillent leur mort. Vite. Eh ben voilà, quand on parle d'élémentaire, j'arrive. Allez Carnan. Élémentaire, mon cher Watson. Allez, je monte au dos de Carnan. Alors ça, c'était... c'est Carnan à chaque fois, en fait. Purifier les totems de nécromanciens. Toujours et encore. D'accord. Allez. Donc là, je peux avancer, je peux aller plus vite. Super. Dans vos tombes, enterrez-vous. Vous soyez enterrés. Saleté de ghouls. Faut détruire apparemment les nids de ghouls. D'accord. Faudra déjà que je voie où sont les nids. Alors, dès que je vois apparaître les nids, effectivement, dès que ça sort, c'est un nid, en fait. Si je comprends bien. Dès que ça sort, c'est un nid de ghouls. De ghouls. Ah oui, d'accord, c'est des petits trucs. C'est comme des trucs de taupe, en fait. C'est comme des trous de taupe. Incroyable, ça. Ok. Ah oui, c'est vrai que je peux monter. C'est ouf, ça. Ça, c'est ouf. Je vais aller faire celui-là, et après, on fera les deux autres qui sont là-bas, du coup. Ah putain, par contre, c'est galère avec lui, un peu. Alors tu peux monter et tout, mais il est pas super agile, hein. C'est pas tout en finesse, quoi. Youhou! Il faut dire qu'il est lourd, hein. Allez, encore un nid de ghouls. Voilà. C'est easy. Ok, on attend qu'il y ait d'autres nids de ghouls. Là, il y en a un nouveau. Ok, on a 6 sur 15. Ah ouais, il faut détruire 15 nids, quand même. Ah ouais. Et ils apparaissent comme ça, comme par magie. 7 sur 15. En fait, ouais, tu touches une fois le nid et c'est fini, quoi. C'est trop simple. C'est trop simple. Ok, suivant, c'est là. Bon, en gros, ils arrivent, j'ai l'impression, de manière aléatoire, un petit peu sur le passage, quoi. 8 sur 15. Allez, je vais là-bas. Donc ça, c'est des objectifs secondaires. Mais alors, vraiment, c'est sur le chemin, donc n'importe qui peut les réussir. Hein. Il n'y a pas vraiment de fierté à réussir un objectif secondaire comme celui-ci, on va pas se mentir. Ah, c'était pas un nid, ça? Non, je crois que c'est mes pas, en fait. Ça, c'est un nid. Voilà. Va te calmer. Le mec il tape du pied. Le mec il fait des claquettes et c'est bon, il tue tout le monde, quoi. C'est impressionnant. Attends, un nouveau nid de ghouls là. 11 sur 15, on a presque fini. Bon, autant vous dire qu'on est large. Alors, le totem. Bonjour messieurs. Calmez-vous. Alors, je purifie le totem. Est-ce que je peux le purifier en étant dessus? Apparemment non, je peux pas le purifier en étant dessus. Ah merde, je suis maudit apparemment. Il faut descendre, ouais, pour purifier, ok. Je comprends mieux. Attendez, je tue les ghouls. Les ghouls, parce que là, ils vont me gonfler. Allez, pour détruire les nids. Et pas les nids Kravitz. Eh ben, il faut absolument être par contre sur Carnage. Ok, c'est un peu logique ça. Ok, vite, vite, purifie mon gars, purifie. Dépêche-toi. Est-ce que je vais avoir le temps? Oui, c'est bon. Allez, faut remonter sur la bête. J'arrive. Hein? Oh! Chevauche. Très bien. Allez. On peut repartir maintenant. Par contre, il y a un nid de ghouls là-bas. Faut absolument le déglinguer, le nid. Parce que sinon, il va pas arrêter d'arriver. Allez. Voilà. Nuit. Nid détruit. Du coup, les ghouls n'arrivent plus, logiquement. Il va y avoir un nid par là. Ouais. Effectivement, je voyais que ça arrivait. Ah non. Si. Je sais pas. Donc là, 13 sur 15. Ok, on va descendre.
prendre par là. Essayer de passer par des endroits où il peut y avoir des nids quand même. Voilà. 14 sur 15, allez, plus qu'un petit nid. Un petit nid et c'est terminé. Je voudrais un nid de gulls, s'il vous plaît. Un nid de gulls pour conclure l'objectif secondaire. Yeah. Je l'ai vu. Voilà, 15 sur 15, c'est impeccable. Y'a plus de danger maintenant. Allez, on va s'occuper de tout ça. Donc il est à 1000 pays et là il y en a un à 600. 80 pays, ça va le faire. Parce que c'est mon pays. Purifier les totems. Attends, bon, faut quand même détruire les trucs parce que sinon ils vont me saouler les gulls. Ça c'est sûr. On s'en bat pas les gulls. Comme je dirais d'habitude. Meurs. Yaha. Attends, est-ce que je peux appeler mes capitaines et tout? Ah ouais, attendez, je vais appeler mon capitaine et mon Caragor pour qu'il m'aide. Ça peut être sympa, même si on n'a pas spécialement besoin de soutien, mais sait-on jamais, ça peut être cool. Alors attends, faut que je sorte de là. Tu penses qu'il faut éliminer les ghouls? Ah ouais, effectivement. Ah merde, j'aurais dû descendre du coup, attendez. Est-ce que t'as peut-être déglingué le... Il se passe quoi là? Il se passe quoi? Je suis mort? Ah mais d'accord! Ils ont tué mon gros, mais non! Ils ont tué mon gros, mais j'aurais pas dû sortir, j'aurais pas dû descendre. Carnan a été vaincu, réessaye. Bah oui, d'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, on va descendre. Je descends de Carnan. Est-ce que je peux aller en face? Ouais, je peux aller en face. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper d'eux sans Carnan. Parce que franchement, Carnan, il va être juste impossible. Donc allez, on va y aller comme ceci. On va les tuer comme ça, on va s'occuper du totem, tout ça. Bonjour, monsieur. Oh, ils m'ont vu, ils m'ont vu. J'arrive. Je vais tous vous tuer, vous allez me saouler sinon. Hop. Ah, les ghouls, merde. T'inquiète, je m'en occupe. Même les ghouls, je m'en occupe, je m'en fous. Faut que je purifie le totem avant peut-être. Allez, purifie le totem. Ah, on peut pas, tant qu'il y a les ghouls. Tant qu'il y a les ghouls, je vais pas y arriver. Attends, je m'en occupe un petit peu. Y, ok. Je vais devoir les tuer sans Carnan. Ça va être trop lourd. On va détruire l'ennemi. Le problème, c'est qu'il y a trop d'ennemis. Ah ouais, il y a les ghouls qui arrêtent pas là. Ah non, c'est compliqué avec les ghouls, ok. Tant qu'il y a les ghouls, je vais pas m'en sortir. C'est impossible. Par contre, je pense qu'il faut tuer les autres. Par contre, les orques, je pense pas qu'ils sont. Ils sont infinissables, tu vois. Autant les ghouls, oui. Mais pas les autres. Oh putain, mais je vais crever, bordel. Fais chier. Ah, je suis maudit en plus. The fuck. Pourquoi donc? C'est bizarre ça. Bizarre que j'y arrive pas. Allez. Oh putain, c'est chaud. Attention. Eh, cet endroit là est chaud hein. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas aujourd'hui dans cette mission. C'est bizarre. Alors je comprends que les ghouls sortent à chaque fois. Mais eux par contre logiquement, c'est bon quoi, ils vont se calmer à moi au bout d'un moment, non? Attends, essayez de m'enfuir un petit peu. Qui c'est qui me tire dessus, bordel? C'est eux là qui me tirent dessus, ils sont là-haut. Attendez, je vais m'occuper des archers, ils sont relous. Les archers sont relous. Mais putain, tu montes, bordel, tu sais pas faire. Putain, mais fais chier. Oh, mais c'est relou. Non, mais sérieux, c'est relou, là, par contre. Oh, putain, elle a fait me tuer, ce con. Ah, le ghouls, relou, hein. Allez, monte. Bon sang de bonsoir. En fait, j'espère qu'ils sont pas invincibles jusqu'au bout, hein, parce que c'est relou, quoi. Allez, exécution. Les ghouls sont invincibles à mon avis, enfin il y en aura tout le temps. Ouais c'est bon, il faut que je récupère Carnan maintenant. Je vais récupérer Carnan. Je vais le reprendre, maintenant c'est que des ghouls. Ah ouais d'accord, ils viennent de partout. Ok. Carnan c'est bon, j'ai tué les mecs. Tu peux venir maintenant, j'ai tué les orques. On s'occupe de ces ghouls. Salut les gars. J'ai plus peur. J'ai plus peur, les ghouls. Y'a plus que vous, et y'a plus d'or qui vont m'embêter. Y'a qu'avec Carnan qu'on peut détruire Lenny. Ah voilà, en fait faut faire ça. Faut tuer les mecs, puis après t'y vas parce que t'es plus encerclé par je ne sais combien de nids de moins d'orques. Et t'as plus que les ghouls à t'occuper. Et donc quand t'as plus que les ghouls, c'est bon. En gros c'est ça. En gros c'est ça, c'est easy. Voilà. On va voir s'il reste encore des ghouls. Ah, oh non. Ça va pas commencer comme ça, y'a un mec qui me tire dessus. Oh, t'étais pas... T'étais où, toi? Ah, d'accord, ça sort par là-bas, attendez. Ça sort par là-bas. Je t'ai vu. Saleté de nid. Mourez. Donc, c'est bon. Logiquement, il n'y a plus de nid de ghouls.
devons purifier les totems. Attends, je sors. Attends, je m'occupe de toi. C'est bon. Allez, logiquement, on peut y aller. Allez, parce qu'en plus, il y a la malédiction, forcément, proche du totem. C'est bon. Un de plus. Allez, je repars avec Carnad. Et en plus, on va faire attention parce que... Ouais. En plus, là-bas, on aura encore d'autres ennemis, sûrement. Mission un peu compliquée. Attends, je passais par là, plutôt. Mission un peu compliquée. On va se l'avouer, je suis mort deux fois. Bon, je vous aurais laissé qu'une seule mort, parce que bon, après, c'est un peu trop long, mais on se comprend, quoi. Alors, est-ce qu'il y aura du monde, là-bas? Attends, tu le Nid Gulls. En fait, je pense qu'à chaque fois qu'il y a un Nid Gulls... Ouais, faut le tuer, le Nid Gulls, à chaque fois. Attends, je vais m'occuper du Nid, là-bas, parce que... J'ai voulu passer à côté, tu vois, mais... Non, il faut le déglinguer. Obligé. Dès qu'il y a un Nid Gulls, tu le déglingues. Faut pas chercher autrement. On n'a pas trop le choix. Sinon, on se fait avoir, après. Elle est chaude, cette mission, hein. Incroyable. Chaude. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Ouais. Attends, je vais m'arrêter là. Carnan, tu resteras pour l'instant, s'il te plaît. Oh, qu'est-ce que tu fais, toi? Occupe-toi-en. Moi, je vais tuer les mecs et après, je te reprends, ok? C'est ma strat. C'est ma stratégie. Pourquoi j'ai ça, en fait, moi? C'est bizarre. Salut! Ah, j'aurais pensé pouvoir faire le troisième, pas du tout. J'ai pas pu. Voilà. Il me reste 5 flèches, c'est impeccable. Ok. Voilà. Oh putain, Karagor. Ok. J'appelle mon capitaine. Ou mes renforts. Ah mais oui non, on a changé de... Moi aussi j'ai un Karagor, hein, tu crois quoi. Oh putain, il y a plein de Karagor. Donc ouais non, j'avais pas mis de garde du corps ici en cette zone. J'ai fait ça pour une zone du coup. Ok, donc heureusement que j'ai mes alliés. Eh, tu vas te calmer toi. Tu vas te calmer. Alors purifier les totems, on va s'en occuper tout de suite, t'inquiète. Ils sont avec moi. Ok, je vais essayer de m'occuper du totem parce que ça use la... Ah merde, je peux pas avec lui. Allez gros. Je m'occupe du totem, on va essayer... Oh putain, de Karagor, il me casse les couilles. Dégage. On est mal. Santé. Ouais, merci pour la santé, c'est très gentil. Attendez, essayez de m'en occuper du coup. Attendez. C'est bon? Allez, on essaye. Allez. Oui, c'est bon. Wouhou! On a réussi. Ah, c'était compliqué quand même, hein. Ah, je pense que j'aurais cuté un petit peu la mission parce qu'honnêtement, elle aurait été dure. Oh la vache. Ça l'a été chaude, je suis mort deux fois pour info. Elle était un peu chaudasse. Attends, je vais prendre la bête. Incroyable. Alors, mission suivante. Eh, j'avoue, celle-là était chaude comme mission. Hein. Eh ouais, parce qu'il fallait mettre Karnan effectivement un petit peu à l'abri avant et tout. Compliqué, hein. Alors, à beau avoir survécu à son combat contre le Balrog, voilà que les acolytes de Zog s'en prennent directement à elle, à protéger la forêt de Karnan. 22 370 XP, ok. Donc, dépassement rapide, des réactions Nurnen. On va continuer du coup les missions de Karnan. Je vous l'ai dit, on a terminé les missions de Bruce, hier. Et là, vraiment, on s'intéresse à Karnan. Et après, on partira, du coup, sur les dernières de Eltariel, si tout va bien. Il faudra, avant, effectivement, de s'occuper des missions d'Eltariel, il me semble, avoir accès, avoir le contrôle, du moins, des 4 forteresses. Donc, on a du boulot. Et je pense qu'on fera ça dans un live, effectivement, pour avoir toutes les forteresses. On fera également un petit peu d'avant-poste, et ainsi de suite, avant de faire, effectivement, les dernières missions de Eltariel. Ok, donc... Nous sommes niveau 38, c'est bien. On va directement cibler cette mission. Clac, ça tombe bien, il y a un point hop, de dépassement rapide juste là. Nous sommes donc à Nurnen. Est-ce qu'à Nurnen j'ai un capitaine? Il me semble que oui. Hein. C'était ce que j'avais mis au début. Donc qui est mon garde du corps? Nurnen, on doit avoir lui comme garde du corps. Hein. Non, c'est pas Arbarouk, c'est qui notre garde du corps alors? C'est lui, peut-être c'est Urakon, je crois, le garde du corps. Je vais vérifier. Ouais, c'est bon. Il est garde du corps, exactement. C'est ce qui me semblait du coup. Impeccable. Allez, allons-y. 800 pays à peine. La forêt en flamme. Rendez-vous au point de départ de la mission. Eh bah, allez, c'est parti, on est chaud. Mais de rien, c'est déjà le 15e épisode. Ça avance super vite. Mais c'est vrai que le jeu est un petit peu plus long. L'histoire principale est un peu plus longue, hein, si vous l'avez remarqué. Oh putain, un grog. Est un peu plus longue, effectivement, que celui de Shadow of Mordor, hein, que j'avais fait à l'époque en 2012, je crois. 2012, il me semble.
Effectivement, c'est un peu plus long. Voilà, parce qu'il me semble que je l'avais terminé en 12 vidéos. Là, on est déjà à 15, donc c'est un peu plus long. Vous avez donc du coup la confirmation. Allez. Ouah, des grosses bêtes. Ah là là. Allez, c'est parti pour la mission. La forêt en flammes. Ils viennent pour Karnan. Il faut détruire leur totem. Oh, faut encore purifier les totems. Mais ça, c'est un peu la galère, parce qu'en plus, on n'est pas bien, nous, devant les totems. Hein. C'est ça, le truc. Bon, allez, on y va. Je pars à la chasse aux totems. Le premier. Ce qui est le plus chiant, c'est les ghouls. Ce qui serait bien, c'est de ne pas se faire repérer. Mais le problème, c'est qu'on se fait à chaque fois repérer. C'est un peu emmerdant, ça. Bonjour. Ok. Tu me vois. Tu es sûr? Tu me vois, je te vois. Merde, putain, quel con. Je suis mauvais. Je t'attaque. Ah ouais, faut pas rester en cette zone, c'est vrai, j'avais oublié, attendez. Faut que je m'extraie de cette zone-là, parce que... On est toujours en mode malédiction, c'est relou. Voilà. Un headshot, c'est bien mieux, tu vois. Il y a un effet spécial. Ça fait une onde de choc, hein. Headshot. Ah, ça renaît, c'est vrai. Ah merde, j'ai vu ce qu'il faut, fait chier. Ah, attendez, il va falloir vraiment que je m'en occupe là. Je vais demander à mon Caragor de venir. Vas-y, bouffe-les, s'il te plaît. J'ai besoin aussi de l'aide avec mon capitaine. Viens par ici. Oh, du poison. Il y aurait des flèches dans le coin par hasard. Oh merde, il y a des méchants là. Non, ils sont avec moi, eux, non? Non, moi, ils sont avec moi, bah oui. Venez m'aider, s'il vous plaît. Occupez-vous deux, ce serait gentil. Pendant que moi. Oh merde. Pendant que moi je purifie le totem. Ce serait cool là. Merci pour l'aide les gars. Merci beaucoup. Allez. Un totem purifié, c'est impeccable. On continue. Je récupère les... Ah mais c'est bon, je suis à 7 sur 7. Allez. L'autre il est à 330 pays. Suivez-moi les gars par contre hein. Donc c'est bon, j'ai un bête qui me suit, impeccable. Ah il se fait bouffer, très bien. Bonne chose ça. Je vais essayer directement de le prendre. Attends, vas-y, je tente quelque chose. Ah oui, monsieur. Ah bah oui. En fait, faut pas traîner, tu vois. On faut essayer de le capter direct. Ouais, bah ouais. Bonne strat, bonne strat. Allez. Vas-y, je tente, c'est pas gagné. Oui. Ah oui. Yes, comme ça, au moins, t'es pas maudit, tu vois. Ah putain, ça, c'est de la bonne strat. Au moins, tu te fais pas chier. C'est beaucoup plus rapide. Ah, c'est génial. Je suis trop content. Faut qu'on fasse ça pareil ici, allez. Go, go, go. Allez. Prends contrôle, le temps qu'ils réagissent. Yes. Mais voilà pourquoi je me fais chier, moi, depuis tout à l'heure, là. À vouloir aller les battre avant de purifier les conneries de totem. Je suis bête. Il faut rejoindre Karnan tout de suite. Retourner auprès de Karnan, moi j'arrive, attends. J'arrive. Je peux te chevaucher ou comment ça se passe, je me souviens plus. Ah, je peux pas te chevaucher, attends, excuse. Excuse-moi, non mais je voulais juste savoir si je pouvais te chevaucher. T'es pas un type d'allié que je peux chevaucher. Ok, retourne auprès de Karnan. Attends, j'en profite pour reprendre un petit peu de santé. Salut les boys. Merci, c'est juste pour reprendre un petit peu de santé. Je m'en fous de toi sinon. Allez, on passe au milieu. Attention aux flammes, ne pas se brûler, ne pas perdre de la santé. Protéger Karnan. Oh merde. Oh merde. Attendez. Voilà. On l'occupe. Ah lui il m'a vu, je peux pas le tuer aussi facilement. Très bien, allez je m'occupe de toi. Bien wesh. Salut. Meurs. Meurs. Coup de poing au sol. Ça impressionne ça n'est-ce pas? Ah ça impressionne. Eh oui mon boys, élimination. Décapitation. Du lourd. Non tu vas te calmer toi, direct. Je le dis, tu ne la brûles absolument pas. Non mais oh, c'est quoi cette idée? Non! Tu ne la brûleras pas! Je refuse! Toi aussi, je refuse! Salaud! Faut protéger les flambeaux! Allez, protéger Karnan des flambeaux! Non! Arrêtez tout de suite! Faut protéger énormément en fait le... L'arbre du coup, Karnan. Allez, dégage! Pas de flambeau. Le problème c'est que l'arbre il est géant quoi. Un truc de malade.
putain, il y en a partout en vrai. Il y en a partout, regardez. Dégage. Voilà. Bien joué. Allez, on continue, on continue, on continue. Pourquoi t'as pas voulu faire l'autre direct? Je sais pas. Bah, écoutez, je fais au mieux. C'est pas évident. Je fais au mieux pour protéger. Je fais vraiment au mieux, je vous le dis. J'ai en tué un maximum. Regardez, il y en a encore qui arrivent de l'autre côté. Je tue les deux. Et à chaque fois, on fait comme ça, en gros. Il faut tenir combien de temps, en vrai? C'est une question comme ça. Ah, c'est bon. Nickel. Je rejoins Karnan, ouais. Tout est calciné en cendres. La forêt a été sauvée. Ils ne reviendront pas. Maudit Ezog et son appétit féroce. Et pour sceller son pacte, il invoquera Targoroth. Targoroth a péri et grâce à toi. Écoutez donc la terre. Les frères de la corruption demeurent toujours actifs. Le feu va naître de la glace. Si Zog parvient à invoquer le Balrog, il le soumettra et exploitera sa puissance. Nous devons l'en empêcher. Tu ne viens pas avec nous, n'est-ce pas? Un long hiver rappelle mon nom. Mais comment nous... Les forêts de Karnan ont besoin de repos. Karnan doit dormir où les cendres nous guettent. Le cycle ne doit surtout pas être brisé. Partez maintenant. Et voilà. T'as qu'un peu bug, mon cher ami. Allez, mission terminée, plus 22 000 XP, point d'aptitude évidemment, niveau supérieur je suppose. Ce qui nous mène au 38 ou 39 39, bientôt niveau 40. Hey, hey, comme Bruce hein, lorsqu'on a attaqué. Bon, eh bien, écoutez, c'est pas mal tout ça. Mais oui, plus 1080 au niveau de l'argent, au niveau des Myriens. Oula, petit ok, excusez-moi. Ça arrive de temps en temps. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de... du reste, je regarde ce qu'on peut prendre. Niveau histoire, on a 13 sur 23, on a tout débloqué. Bon, après, on peut très bien prendre les zones d'amélioration. Alors, j'ai eu tout jusqu'au bout. Bah écoutez, on va essayer de voir ce qu'on n'a pas pris. Au début, tiens, admettons. Admettons ici, qu'est-ce qu'on n'a pas? Amélioration, frappe mortelle, frappe puissante. Donc, je vais prendre ça. Écoutez, je vais tout prendre au fur et à mesure. Hein, niveau point d'aptitude, ça a l'air plutôt intéressant. Donc voilà, je prends ceci. Niveau des quêtes, voyons voir ce qu'on a. Je pense qu'on va continuer un petit peu. Le feu sous la glace. Alors, plus 23 000 XP. Ah bah, chaud. Amélioration, aptitude, champ de Drake. Zog est bien décidé à faire sortir le Balrog du lac gelé de Seregost. Il faut l'en empêcher à tout prix. Mais il est fou celui-là! Il est fou! Allez, dépassement rapide. On va essayer de terminer aujourd'hui. Si possible, je suis pas sûr. Mais je pense qu'on peut terminer éventuellement avec un long épisode. Tant pis s'il est long. Hein. C'est pas grave, hein, autant faire long les vidéos sur Shadow of War. On va essayer de terminer l'émission effectivement de Karnan. Ce serait plutôt sympathique. Mais après, comme ça, la prochaine fois, on pourra, je pense, peut-être même voir conclure ce let's play. Je ne sais pas, on verra. Je dis bien peut-être, je suis pas sûr. Parce qu'il faut encore faire une attaque de forteresse avant le prochain épisode. On verra bien. Allez, donc retour en cette zone. Il me semble que j'avais déjà du coup pris un mec pour me protéger. Donc du coup, tac 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 tac, c'est par ici. Voilà, on va ajouter un repère, le feu sous la glace. Et est-ce que j'ai un point? Oui, un point de téléportation juste à côté. Ça c'est super sympa, parce que voilà, au moins ça permet d'aller relativement vite. On est parti. Et il faut pas qu'il invoque Targoroth. Ah ouais, faut le tuer avant. Effectivement, je suis d'accord, il ne faut pas qu'il invoque Targoroth. Parce qu'on l'avait plongé sous la glace, ce n'est pas pour qu'il se réveille de nouveau. Allez, le feu sous la glace, c'est parti!
Le rituel a commencé. Alors ne perdons pas de temps. Kargoth ! Quitte ta tombe et rejoins-nous ! Prenez ! Éteins ! Tu ne gâcheras pas ce rituel. Kargoth renaîtra ! Mais pas pour Sauron. Il se battra dans mon armée. Une légion de morts, aussi forte qu'une armée du Mordor. Tu les entendras arriver, car ils connaîtront tous mon nom. Zorg, Zorg, Zorg. Zorg. Merde. Shit, niveau 44. Là, c'est compliqué. Et apparemment, il aime pas les brûlures. Ça, c'est quand même intéressant. Allez, venez m'aider, s'il vous plaît, par contre. Hein, je sais pas que, voilà, j'ai besoin d'aide quand même. Là, niveau 44, ça va être chaud. Je suis maudit ? D'où ? Non, il est avec moi, quel con ! Tu le marques ! Ah, oui, d'accord, je sais pourquoi je suis maudit. Je sais pourquoi. Oh oui ! Déjà un totem, super. J'ai déjà eu un totem, ok, faut que j'ai les autres. Bouge. Allez, un petit deuxième. Vas-y. Oui, un petit deuxième, nickel ! Du lourd ! Allez, faut pas hésiter du tout. Oh merde! Vas-y. Le troisième. C'est bien. Oui! On a eu le troisième. Ça sent bon. Il est anti-saut, mais je m'en fous. Allez, je veux le troisième là. Pour du coup, bien avoir de soucis avec lui. Allez, vas-y. Ah putain, c'est chaud! Vas-y. Le dernier à purifier. Oui! C'est réussi, magnifique. Maintenant, il faut absolument que je reprenne un petit peu de santé. Toi, viens ici, monsieur. Venez ici, tout de suite. Je veux de la santé. Ça serait gentil. Yes! Merci. Il faudrait un petit deuxième. Ce serait l'idéal d'avoir un petit deuxième pour de la santé. Attends, je vais aller le chercher celui-là. Est-ce que je peux aller le chercher? Je peux venir le chercher. Ouais, viens par là. Oui, je sais, je quitte en quelque sorte un petit peu la zone de mission, mais c'est pour récupérer un max de santé. Oh putain. Oh, c'est beau. Attends, il suffit de triompher de Zorg. On est bien là en plus. On est bien. La vie après la mort. Tu as tout gâché. Mon chef-d'œuvre réduit à néant à cause de toi. Prépare-toi à mourir, immortel. Et si je suis immortel, je vais pas mourir. Enfin si, je vais mourir, mais je vais renaître. Bon, bah écoute, attendez, je vais m'occuper de lui. C'est bon, on a tué tout le monde à côté, on est bien. Je veux pas le tuer, lui. Ah mais il est avec moi, je suis con. Alors, attendez. Bim. Hop là, j'arrive. Je vais te calmer un petit peu, moi, tu vas voir. Allez, prends-toi ça. Multiple coup critique. Voilà, t'as ce qu'on lui a mis quand même. Élimination. Dégâts maxi. On est bien là. On va pas se mentir, on est très très bien. Ah d'accord, il se casse ce con. Oh merde. Non non, calme-toi. Calme-toi. Niveau 44, on va se méfier parce que c'est jamais fini quand même. Headshot. Très bien. Là, il va lui planter des choses assez intéressantes. Esquive, attention. J'ai plus de flèches. Ah oui, c'est vrai qu'il est anti-saut. On l'a eu, c'est bon. On a battu Zorg. J'aurais pas pu le recruter parce qu'il est au-dessus de mon niveau. Hein. Je crois qu'on a réussi. Alors, le sacrifice de Karnan n'a pas été vain. Et voilà. On s'est occupé de Zorg. Bah écoutez, c'était pas très long. Pour 23 000 XP, franchement, c'est impeccable. C'est une belle mission. Déverrouiller champ de Drake. Activez cette amélioration amplitude pour vous permettre d'améliorer, d'appeler du moins un Drake en appuyant sur la gauche. Admettons. Ah oui, ça veut dire que je peux avoir un Drake indisponible pour l'instant. Bah écoutez, on essaiera dans les prochaines missions, hein, s'il y a encore beaucoup de missions, je sais pas. Alors apparemment, au niveau des niveaux des persos... Attends, si j'appelle quelqu'un, est-ce que j'appelle un Drake? Non, ça s'appelle du coup... Par contre, je peux demander un Drake, je suppose. Ok, bon, on verra ça plus tard, en tout cas, comment on fait. Niveau mission, alors, de Karnan, est-ce qu'on a fini? Attends, je regarde. Non, on est à 89%, donc il nous reste une mission, je pense. Dans un ultime effort, les acolytes de Zorg, effectivement, tentent de réanimer ce dernier et de créer une armée de morts-vivants avec les victimes du siège de Minas Ithil. Arrêtez-les une fois pour toutes. Allez, dépassement rapide, on va se faire cette petite dernière. La vidéo risque d'être un petit peu longue, mais c'est pas grave, je veux conclure la mission de Karnan aujourd'hui, comme ça au moins on en aura terminé. Terminé de Zorg, qui est le gros ennemi. En gros, on a terminé de Bruce, la fois d'avant. Là aujourd'hui on va en terminer avec Zorg et la prochaine fois on en terminera avec, avec Sauron. Enfin je sais pas, on verra bien. Avec le grand seigneur des ténèbres. Ok. Alors, je vais pointer. Tu tires où tu pointes? Ah bah je pointe. Alors tu es où? Tu es là-bas. Ok, je vais me mettre directement ici.
Ah ouais, c'est la première région, ça c'est Minas City là. Enfin, Minas Morgul du coup. Nous reverrons Zog. Il l'armée des morts. Eh ben allez, j'arrive pour l'ultime mission de Karnan. Ça va être génial. Ah non, on peut faire comme ça aussi. J'aime bien ça. Bref. Ah, ce serait bien que ce soit dans l'arène. J'ai bien aimé d'ailleurs la mission de l'arène, je trouvais ça très très cool. De l'arène, hein, pas de l'arène, la reine d'Angleterre. Hein. Je parle de l'arène. Comme les gladiateurs, tu vois. Bref. Allez, début de mission. Je sens que ça va être génial. Et ça rapporte beaucoup d'XP en plus. Allons-y. Ouf. Ah oui d'accord, non mais je viens de voir. Ah oui c'est impressionnant quand même. Regardez niveau 32, niveau 47. Oh putain niveau 47, niveau 30, niveau 25. Oh merde. Oh le totem. Ah il m'a vu, merde il m'a vu. Ah ça va être chiant là. Attendez j'invoque mes gars. Y'a combien de totems? Ah ça va être la galère, purifier les totems. Ah oui effectivement. Cette mission ça va être une galère sans nom. Je vous le dis. Je pense personnellement que c'est une galère. Je m'occupe du totem, on va essayer direct. Ouais, déjà un totem. On va faire le tour des totems. Sans les attaquer, faut faire le tour des totems et essayer de les purifier. Merde, de les purifier d'entrée. Allez, purifie, tente de purifier. Je suis pas sûr que j'y arrive là par contre. Oui. Oh putain, je suis trop content. Ok, on s'en sort. Ah, franchement, c'est kiffant. Ouais, je sais, tu m'as vu, c'est bon, je suis au courant. Arcaïus, le cherche-douleur. Ok, niveau 25, ça va. Niveau 25, ça pourrait le faire. Allez, on va remonter, on va essayer de choper celui de là-haut. Pas que ce soit trop linéaire. Vas-y, mon vieux, purifie. Allez, 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 ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Oui, c'est bon. Allez, un autre, là-bas. Attends, vas-y. Restons calmes, restons calmes, restons calmes. Bonjour, messieurs, je purifie. Laissez-moi purifier, s'il vous plaît, je vous ferai un chèque. Un chèque en blanc, évidemment, mais je vous ferai un chèque. Ok. Des pots de vin. Ouais, je suis prêt. Je serais prêt à faire des pots de vin. Vas-y, purifie le bordel. Ça va être dur, ça va être dur. Non. Ah bah, je me suis craqué. Attends, on va ailleurs, on va ailleurs. Cherche pas. Cherche pas. Quand t'en foires un, tu repars ailleurs. Histoire que les ennemis, voilà, sortent un petit peu de la zone. Ishmoz, ah, je me rappelle de toi, tu me dis quelque chose. Asgang. De toute façon, ils me disent tous quelque chose. Parce que j'ai l'impression que les noms, effectivement, sont un petit peu. Reviennent souvent, en fait. Asgang, la demi-langue. Ok. Et comment tu fais pour parler correctement? Je m'occupe de celui-là alors. Voilà, vas-y. Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir celui-là? Parce que bon, il n'y a rien de pire que ces totems. Ça, c'est horrible, hein, les totems du nécromancien. Ça empêche complètement de faire les choses. Vas-y. Parce qu'on est maudit et c'est relou. Yes! C'est tout bon. Maintenant, il suffit d'éliminer Zog. Ça sent très très bon, ça, les amis. Ça sent très très bon. Allez, attaque-le. Vigilant face à la furtivité. Merde. Calme-toi, Zog. Ah, il est légendaire. Légendaire niveau 47, c'est le plus fort qu'on ait jamais affronté. Avec ses yeux verts, la couleur de l'espoir, il me fait peur. Attends, je vais identifier pour voir s'il a de nouvelles choses d'ailleurs. Parce qu'il est quand même passé légendaire, quoi. Nous pourrons tous revenir. Mais non, 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 il n'y a que toi et tu vas repartir très très vite, mon ami. Alors, c'est devenu un mort-vivant, forcément, inflammable. Ok, toujours inflammable. Ok, ça c'est intéressant. Attendez, j'attaque. Attaque-le. Il est légendaire, il risque d'être trop lourd par contre, lui. Hein. Attendez. Y aurait-il pas des feux? Faudrait l'enflammer, le monsieur. Y a pas de feu ici, j'ai pas l'impression. Merde, ah bah oui, bah forcément, il tue mon collègue. Ah putain, il a tué Snafu niveau 31. Et niveau 48 du coup. Ah putain, il a encore monté de level. Bon bah écoute, mon gars. J'arrive. Je vais m'occuper de ta gueule. T'inquiète. Tu vas pas t'en remettre. Je te le dis, tu vas pas t'en remettre. Ok.
Je m'occupe de toi. Vas-y, si je peux un petit peu te faire mal. Je vais devoir m'en occuper tout seul. Là, c'est des coups critiques, ça c'est magnifique. Coups critiques. C'est beau. Allez, élimination maintenant. Faut lui faire un max de dégâts. Je pense que je peux l'avoir, même si je suis que niveau 39. Ah putain, par contre, l'anti-saut, ça c'est emmerdant. On va pas se mentir, ça c'est plus emmerdant qu'autre chose. Vas-y, faut que je fasse comme ça. Voilà, tu vois, au moins, ça lui fait mal ça. Voilà, et après je le mets au sol. Multi coup de poing. En plus, on est tous les deux. C'est pas mal, ça lui fait bien du dégât. Il est maintenant à la moitié de sa jauge de vie. C'est intéressant. On va pas se mentir, on est pas mal là. On a un combat certes épique, mais on peut faire quelque chose, clairement. C'est pour toi. Attends, est-ce que je peux le geler? Attention, est-ce qu'il craint le geler? Apparemment il craint pas le geler. Et il est anti-saut, je vous rappelle. Ok, essaye de l'attaquer. Non, on va devoir faire avec l'arc. Allez, étourdi, on va faire ça jusqu'au bout du coup. Ça va être easy, je pense. Allez. Cette attaque là, ça lui réussit pas du tout. Allez, exécution. Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive? Il est brisé. Enragé par les blessures. Merde. Attends, je me casse, tu permets? Attends. Loupé. Voilà. Par terre. Allez encore. Allez. C'est fini pour toi. Tu le sais très bien que c'est fini pour toi. Attention, il est enragé, on se casse. On va récupérer des flèches parce qu'il y en a plein en plus ici. Hein. Attendez, il y a plein de flèches normalement à récupérer. Hop. Salut mon pote. Bim. On va le tuer. Voilà. Magnifique. Tuer en plus dans l'œil droit. Dans l'œil gauche du moins. C'est Karnan. C'est beau ce que tu dis. Et donc voilà, la non-mort triomphe de la non-mort. Succès Steam déverrouillé. Yeah. Et donc on passe niveau 40, ça y est. Nous sommes niveau 40, mais on a récupéré un anneau. Normalement que je n'ai pas besoin de prendre, voilà, effectivement, ça le prend automatiquement. Rune arcanique. Alors voyons voir la rune arcanique, parce qu'à mon avis, ça c'est du très 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 lourd. Alors, je verrai le point d'habitude après, niveau inventaire. Niveau de l'anneau, à mon avis, ça doit être du très très bon. Oh là là, 173 niveau 40, légendaire, effectivement. Allez, direct l'anneau. Je vais pouvoir voir un petit peu au niveau des runes aussi, hein. Je tenterai de regarder ça. Là, on a eu également une cape, donc une cape un peu moins intéressante, c'est une cape classique. Je vais pas la prendre. Faudra, par exemple, par contre, faire les défis, effectivement, parce que légendaire, c'est meilleur. Mais si tu fais pas les défis, c'est pas forcément super. Faudra que je fasse des défis absolument de ces armes-là. Bref, écoutez, voilà, on a terminé. Je suis très content, logiquement, je dis bien, logiquement. On va juste déverrouiller l'aptitude, on va prendre au pifomètre, on va prendre ça. Exécution spectrale, ça a pas mal aussi. De toute façon, je vais tout prendre, hein, vous en faites pas. Je ferai des lives, je prendrai toutes les caractéristiques, dans tous les cas. J'aurai tout, parce qu'il me semble qu'on peut monter le perso au niveau 60. Donc logiquement, on devrait pouvoir tout débloquer si tout va bien. Ok, donc niveau 4 logiquement, on a terminé les 4 de Karnan avec cette longue vidéo aujourd'hui. Voilà, 100%. Eh bien écoutez, on n'aura plus que deux choses à faire. Je vous rappelle que les missions principales, c'est sous forme de losanges du coup. Donc on a effectivement les missions de siège, donc les différentes forteresses. Apparemment, j'en ai qu'une à prendre, non? Parce que celles-là, elles sont conquises. Apparemment, j'en ai qu'une. Bah écoutez, ce qu'on fera, la prochaine fois, on ira se faire une forteresse. Du coup, on va devoir s'emparer de la forteresse de Gashgore. Si on a que celle-là à prendre, eh ben on fera que celle-là. Parce qu'apparemment, il n'y a que celle. Bah non, 21%, c'est pas possible qu'on ait tout pris. Je sais pas. Bref, on verra. Donc, on tentera peut-être une forteresse. Ou alors, je le ferai en live. Ça, je verrai. Et sinon, on fera, bah écoutez, la quête d'Eltariel, revers de la fortune. Et après, on aura la quête séduire de lumière, qui est peut-être, sûrement, je pense, la quête finale. Eh ben écoutez, on se retrouve, les amis, la prochaine fois. Ce sera peut-être, je dis bien peut-être, c'est pas sûr du tout, la dernière vidéo. En tout cas, il y en reste quelques-unes, ça c'est sûr. Quelques-unes, voire une, on verra. Mais il n'y en reste pas 50. Voilà, donc on est bientôt à la fin de cette série. Et j'espère franchement que ça vous plaît, parce que moi, jusqu'au bout, je suis à fond sur ce jeu. Merci à tous, on se retrouve très bientôt, dès demain, pour la suite de l'aventure. Vive les jeux vidéo, et à la prochaine. Salut tout le monde.